Kenji Girac, le chanteur se confie sur les scènes de baisers très hautes avec Aurélie Pons. Ici tout commence, Kenji Girac est à l'affiche du téléfilm Champion sur TF1. Il raconte comment il a vécu les scènes de baisers échangés avec sa partenaire Aurélie Pons. En ce moment, Kenji Girac est partout. Coach dans The Voice Kids, il vient également de sortir un nouveau single très poignant. En effet, Eva est une chanson en hommage à sa fille, née en janvier 2021. Une véritable déclaration d'amour qui plaît énormément aux fans, un clip est même sorti, où l'on peut voir le père et la fille partager des moments très complices. Mais en cette rentrée, l'interprète de Color Gitano vient aussi de dévoiler une toute nouvelle corde à son arc. Les téléspectateurs ont pu le découvrir ce lundi 5 septembre en tant qu'acteur. Kenji Girac était à l'affiche du téléfilm Champion, diffusé sur TF1. Il y incarne le rôle de Zach, un jeune boxeur illettré. Un thème qui a tout de suite convaincu le chanteur de se lancer dans l'aventure. En effet, il affirme lui-même être touché par ce handicap et vouloir aider ceux qui en souffrent. Beaucoup de gens sont concernés par ce problème et préfèrent le cacher. Plus jeune, j'ai eu moi-même quelques difficultés à lire et à écrire correctement. Je l'ai gardé pour moi, en partie par honte, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que j'en parle pour progresser, a-t-il avoué au magazine Télé 7 jours. Kenji Girac, intimidé par les scènes d'amour, mais Kenji Girac n'en est pas resté là au niveau des confidences. Interrogé sur la façon dont il a vécu le tournage, il a également donné son ressenti sur les scènes plus intimes. En effet, le chanteur a dû échanger quelques baisers très chauds avec la comédienne Aurélie Pons, connue pour son rôle dans Ici tout commence. C'était intimidant, j'avais l'impression d'avoir 10 ans, quand j'ai embrassé ma première copine à l'école. Mais on a vite crevé l'abcès, en se disant que ça faisait partie du travail, a révélé Kenji Girac, avant de conclure avec humour. En revanche, si je vois le film avec ma mère, je m'absenterai un petit moment, en prétextant aller boire un verre d'eau.